Bonjour et bienvenue au château de Salvanet. On est en plein Limousin. C'est un endroit qui est typiquement Limousin. D'abord parce que la maison a été construite par l'architecte Brousseau à la fin du XVIIIe siècle. Brousseau, c'est un homme qui a construit plusieurs grandes maisons de ce style-là, dont Salvanet, notamment le musée de l'évêché à Limoges ou d'autres endroits dans les alentours. Voilà. Alors comment cette maison se transmet et arrive à vivre aujourd'hui? Tout simplement en étant entretenue par une famille qui a reçu cette terre et cette maison en héritage depuis quelques générations, pas depuis les origines. Ça a changé plusieurs fois de famille et aujourd'hui c'est à une famille qui est là depuis le Second Empire. Et depuis ça se transmet jusqu'à la famille qui habite ici, c'est-à-dire nous, mes parents et mes frères et sœurs. Alors comment ils font pour vivre aujourd'hui dans un endroit pareil? La première chose à dire, je crois que c'est le plus important, c'est qu'ils aiment beaucoup cet endroit. Les gens qui habitent ici, c'est le travail de leur vie au quotidien. Ils le font avec vraiment une immense passion et ça leur fait en même temps très plaisir et en même temps c'est ce qui leur permet de tenir debout et de transmettre cette maison et cet esprit, cet endroit, cette belle campagne à leurs enfants et à leurs petits-enfants, parce que maintenant, oui, les propriétaires qui sont ici ont des petits-enfants. Alors, c'est super, parce que grâce à ça, cette maison est un endroit d'échange, de brassage, c'est une maison de famille, ça, je pense que c'est important aussi. Au cours de l'histoire, il y a eu beaucoup de gens qui sont passés par ici, des artistes, des militaires. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, le château est privé, mais il est ouvert de temps en temps à certaines manifestations, des mariages, des tournages de films, des shootings, des rassemblements d'artistes, des grands rassemblements de famille. Je crois que ça fait plaisir à tout le monde. Quelques ouvertures exceptionnelles pour visiter le jardin, pour visiter tout le parc qui nous entoure. On est vraiment au milieu de la campagne ici, il n'y a pas de voiture, voilà, il y a les vaches qui sont par là-bas. Je crois que le plus important pour que ces maisons continuent de vivre et pour qu'elles s'entretiennent, c'est tout simplement qu'elles soient ouvertes, qu'elles brassent du monde, qu'elles rassemblent des gens. Évidemment, c'est pas facile de s'occuper d'une maison comme ça parce que faut être là, c'est vraiment plus facile. C'est pas aussi confortable qu'une maison moderne. Il faut s'en occuper, tout simplement. Il faut accepter que ça sera un mode de vie particulier. Les propriétaires entretiennent notamment un grand jardin, ce qui leur prend beaucoup de travail, beaucoup de temps, mais ça leur fait très plaisir. Et voilà, tout l'été, il y a des fleurs, des fruits, des légumes. Ça fait des années que ça dure et voilà, ça roule, ça s'entretient. Ici, les gens aiment la campagne, le jardinage, les beaux arbres. Si cet endroit vous plaît, rendez-vous sur les réseaux sociaux ou sur les sites internet. En tout cas, s'il faut retenir une chose, c'est qu'ici, c'est un endroit qui vit, c'est un endroit qui bouge et qui s'entretient. Et on peut avoir confiance dans l'avenir de cet endroit, ce qui est une chance pour le patrimoine local, parce que c'est un site historique et bien souvent, ces maisons sont un peu délaissés parce que les gens ne sont plus là. Ce qui serait très chouette, c'est que ça puisse continuer de vivre. Donc là, on est content parce qu'il y a une nouvelle génération qui arrive, voilà, des petits-enfants. Et ça, pour des grands-parents, déjà, c'est super de voir leurs petits-enfants. Et c'est encore plus chouette quand ça peut se faire là, dans la campagne, dans le décor et dans la maison de famille. Et là, on est très, très heureux.